connecté sur la fréquence un duo Bienvenue Retrouvez un joueur et un maître du jeu. Que demander de plus pour vivre des aventures Aujourd'hui, nous nous lançons dans une nouvelle saison grâce au studio Agathe et le monde Deanna pour Donjon et Dragon 5e édition. Rejoignez-nous et venez découvrir la Cité Franche, un des joyaux de ce monde. Mais des tourments l'assaillent et un simple affrenti magicien, même pas éveillé à la magie, va se retrouver et contribuer sans s'en douter au plus grand chamboulement depuis la naissance du dieu Tamerak. nous retrouvons Arthur dit le Fossoyeur qui doit se rendre à une vente aux enchères dans le quartier d'Assoif de la cité franche pour y acquérir de prometteuses gemmes d'agate. Après s'être gagné les services de cave la Mérosie, ainsi que d'une guide pied léger cali sous le pont, nous voilà en direction du fameux lieu de vente. Donc en fait, vous rentrez, donc vous passez les, les ruelles de la ville, et puis ce qui vient d'avoir une guide c'est que vous n'êtes pas embêté par les sortes de, de bancs, la sécurité locale, là, donc ces, ces petits malfrats. Vous avancez dans la dans les dédales du labyrinthe, donc dans la falaise en fait, qui, qui amène où il y avait la chute d'eau, la Cléara, et euh, ce que tu sais, ce dédale qui peut, par les bonnes voies, ramener vers la, la nécropole, quoi. Et même faire sortir sur la. Enfin, amener à l'inframonde, ou qui peut aussi faire sortir sur la plaine à l'extérieur, quoi, quand on connaît bien le réseau. C'est aussi pour ça que c'est si difficile de, de se débarrasser de la. de ces bandes ou ces crimes ici, c'est tellement, voilà, il faudrait une force incroyable. Et donc vous vous naviguez grâce au bon, au bon guide et. Euh, et vous croisez différentes personnes, ça. Et puis à un moment donné, vous arrivez donc dans une zone où il y a. Une... Je sais pas ce qui a été là ou pas, mais en tout cas, il y a une sorte de grande caverne. Et dans cette grande caverne, il y a plusieurs tentes qui sont installées. Enfin, on fait un petit jet de perception juste pour le fun de faire un jet. Difficulté 10. 21. Ben, bon. Donc, tu as de suite repéré parmi les tentes, il y en a une. Ça correspond à une sorte de taverne. Il <laughs> y en a une, ça va être un plutôt une tour de zone avec des jeux ou des choses comme ça, peut-être mini casino ou un truc comme ça, ou peut-être qu'il y a d'autres... En tout cas, tu penses qu'il y a des activités dedans comme ça. Et puis, donc, la dernière, euh, qui est un peu plus petite que les deux autres, qui est celle où vous amène euh, ta guide. Miss Slopin. Voilà, Voilà, c'est ici que tu pourras trouver, euh, tu pourras trouver ta vente. Et, et vous, madame, euh, où est-ce que vous voulez que je vous amène Ce sera une, pi une pièce d'argent Kav dit, ben je... la seule information que, que j'ai, mais ça m'arrange si vous connaissez tout le monde, c'est que je dois assister euh, aussi à une vente, <laughs> comme quoi les affaires. Euh, c'est Sim Prosper qui l'organise. Et euh, <laughs> et puis là là, t'as sous le pont qui fait. Je l'arrête, je l'arrête, mis sous le pont, et je le fais. Je, je m'approche d'elle, je me penche, je fais. Demande lui l'argent d'abord, avant de lui dire qu'elle est déjà au bon endroit. Et là, tu vois qu'elle soit un petit qui dit, C'est ce que je comptais faire. Euh, donc c'est une pièce d'argent. Donc euh, bah tu vois que la cave sort de sa bourse, elle fouille un peu, elle sort une pièce d'argent. Voilà. Euh, et ben c'est là. Et vous allez aussi à la même vente que que votre euh, votre ami hein, finalement. Vous aurez pu discuter. Et puis là tu vois que sans demander son reste. Toujours un plaisir de faire avec vous, Arthur. Madame. Et hop, elle, elle se file. Je rigole. Je rigole euh, franchement. Mais style, euh... <laughs> quand, quand, je, quand, quand je vois le, la, le, la figure euh, probablement euh, choquée de, de Cave, de cette fille, je ride, mais un rire pas malicieux, hein, un rire, euh, un rire euh, au contraire, un rire de bon cœur, style, euh... mm. <laughs> tu viens de te faire avoir, souris, <laughs> ça ne changera pas ta vie, ou ouais, quelque chose comme ça. Donc effectivement, tu vois que le visage de, de Cave euh... se... Se ferme un peu, ce crispe, mais pas de colère et tout. Et euh, effectivement, elle, elle aussi se met à rire et elle, fait... elle a été très très performante. Très efficace, C'est -ce Une pas bonne guide. Très efficace, tout à fait. Je vous l'avais dit. Euh, apparemment, nous allons au, au même endroit. Donc, j'écarte oui. le pan de l'attente après vous. Hum. Donc, vous, vous arrivez dans cette panne d'attente, tu l'écartes. Donc, ce que tu vois, c'est qu'il y a une sorte d'estrade qui a été montée. Il y a une sorte de petite. Je sais pas si le terme arène est correct, mais c'est un peu comme dans les cirques, en fait. Donc, tu as différents gradins qui ont été positionnés un peu là va vite et euh, et puis à cette petite estrade effectivement où a priori il y aura les objets qui vont être qui vont être présentés pour la vente il y, euh, y, y a, a pas mal de monde c'est un système ah. de vente silencieuse est-ce que c'est il faut crier il faut comment ça se passe bah tu vas voir pour l'instant tu tu sais pas trop il y passer. a pas juste que un seul lot qui est euh, non qui est vendu il y a plusieurs lots successivement ouais. donc ça va être expliqué tu présumes en tout cas au moment où tu passes il y a deux, deux personnes qui Enfin, au moment où tu ouvres le pan pour passer voir ça, tu vois aussi deux ce que tu identifies comme des gardes qui sont là. Euh, donc, bon, comme tu viens souvent dans le secteur, tu identifies c'est des membres des tops. Tu sais pas de quel bande ils apparaissent, mais c'est le truc classique avec des vêtements un peu renforcés par endroits, une dague, un côté bien visible. Le, le, la position un peu euh, c'est moi le c'est moi le chef de bande euh, viens pas me chercher des noix tu vois un peu provocant voilà donc deux humains comme ça un peu des hein. blousons en quoi voilà deux blousons noirs, si tu veux Très bien. Euh, donc je baisse la tête et j'avance ouais bah, ils font pour pour l'avant vous pouvez installer ça va démarrer euh, bientôt okay. en plus font... c'est des blousons noirs euh, ouvreuses. super ouais c'est ça donc il y, y a pas mal de personnes en fait qui sont là dans l'assistance Sûrement pas forcément que les acheteurs aussi pour voir un peu ce qu'il y a, ce qui se fait et tout ça quoi. Et, euh, et donc le. Est-ce qu'on peut se mettre en haut Oui, il faut mettre en haut, ouais. En fait, j'avance et je fais signe à CAF de me suivre, comme si j'avais eu l'autorité, alors que j'en ai aucune, bien évidemment. Et je me mets au plus haut, c'est-à-dire le plus loin de. sur les plus grandes estrades, mais le plus loin du centre. Bon, vous arrivez à vous trouver, vous êtes pris peut-être un peu de retard, il y a quand même un peu de monde, mais, euh, mais effectivement vous. Euh vous pouvez vous mettre sur le dernier rang entre guillemets on va dire qu'il y a à peu près euh, quatre rangs vous êtes sur le quatrième rang c'est pas très long ça fait peut-être euh, moins d'une dizaine de mètres quoi mais bon ça reste assez grand quoi et, euh, et donc il y a effectivement cette estrade avec euh, les deux personnes que vous avez vues et puis vous, tu distingues que de chaque côté d'estrade il y a les sorties de, il y a deux autres sorties euh, donc ça par là va passer les, le le commissaire Priseur entre guillemets ok et de toute façon c'est la toile oui ok donc euh... Sortie d'urgence, euh, un coup de dague et trancher la toile, ça devrait le faire pour faire une sorte, un truc. Euh, ouais, tout à pas, fait. Ouais. C'est pas un truc renforcé ou non. Ou solide. Bon. On voit que c'est un truc qui est posé vite fait pour faire euh, une sorte de zone un peu euh, qui va servir à une activité, quoi. Mais voilà, c'est un truc qui se démonte rapidement. Et, et j'imagine que comme on est à la dernière en truc, qu'est-ce qu'il y a derrière nous Il y a juste le pan de toile ou est-ce qu'il y a un petit espace en dessous Non, il y a le où, pan de toile. Non, il y a le pan de toile et puis après, enfin, il, il y a le. C'est pas une estrade en dur, hein. c'est des sortes de. Des des L'échafaudage avec ça, des trucs, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, euh, derrière, juste derrière vous, il y a la toile et puis le vide. Okay. Donc, je me retourne une fois qu'on est assis et le temps que tout le monde s'installe, je, je parle à voix basse quand même. Je dis euh, Vous étiez là pour un objet spécifique euh... Cave euh, Pas un objet spécifique, plus pour des objets de, de ma tribu. Euh... Hmm. Et quels sont les objets de votre tribu Je saurai quand je les verrai. Okay. Donc on vous a juste dit qu'il y en aurait là. Oui, tout à fait. Hmm. Très bien. Je respecte ça. Dites-moi, les objets de votre tribu, c'est spécifique à votre tribu, c'est des choses... C'est pas des... ce que vous voulez dire, est-ce que c'est unique à ma tribu Non, non, ce que je voulais dire, c'est... C'est pas des choses communes, c'est des choses de votre tribu. C'est des choses de ma tribu, oui. Ok. Bon. Je suis pas sûr de vous. <laughs> T'essayes de faire dire quelque chose de particulier parce que moi je comprends pas non plus. Mais... <laughs> non, non, j'essaye de trouver une façon de, de lui demander si en fait elle est intéressée par les pierres précieuses, mais si elle me dit que c'est des objets très bons, ah oui. a priori ouais. ça devrait pas être des pierres précieuses. Sauf si c'est un collier de sa tribu en agate. Là par contre, je suis dans la merde. Mm -mm, tout à fait, ouais. Donc le... vous êtes en train de parler un petit peu, puis tout d'un coup vous entendez euh, donc, trois, euh, trois coups sur le sol, puis, mais trois coups euh, comme type théâtre. Toum, toum, toum. Ok. Puis un. Euh, alors... Un homme. Alors le terme c'est pas richement vêtu, le terme ça serait euh, extravagamment vertu vêtu. Donc euh, un homme avec euh, mille couleurs sur lui, euh, des bris, des sortes de, de de gemmes qui brillent un peu partout, une sorte de petit béret avec une belle plume, fait de briques et de brocs ses vêtements, mais très clinquants et, et donc qui, qui s'avance et messieurs, dames, zwerge, ski booter et toute fun de la soif, nous allons pouvoir démarrer notre soirée. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Donc, tu vas être hyper enjoué. Donc, c'est Sim Prosper. Sim Prosper, euh, aussi connu sous le nom de DJ Bobo. Voilà. <laughs> attention, attention, mesdames et messieurs, attention, ça va commencer. Exactement, à faire la foule et tout ça, trucs et tout. Bon. La foule a pas l'air super plus réceptive que ça. Hein, c'est pas un concert et tout. Mais, tu vois, il fait son speech. Euh, ça, donc, on va démarrer. Est-ce que dans la foule, il y a des gens remarquables alors, vas-y, fais-moi un petit jet de perception. 10. Ouf. 10, il euh, y a des gens. Tu vois qu'il y a... Euh... Pff, non, qu'est-ce que tu vois avec 10 Non, tu vois qu'il y a des gens. Il y a un peu de tout, quoi. Tu vois qu'il y a pas mal de... Plus de la moitié, c'est vraiment pas des gens d'assoif. On va dire que tu as, t as deux, tiers... deux tiers de personnes qui viennent pas d'assoif et un tiers qui viennent d'assoif. Rien que par le style vestimentaire euh, que tu peux voir, parce qu'il y a quand même une bonne luminosité, donc tu peux voir sur les visages aussi, tout ça. Ouais, tu, pour l'instant tu vois pas plus, quoi. Peut-être quand la vente et qu'il y aura des choses qui vont se passer, peut-être que tu auras plus d'insight ou autre, peut-être tu pourras faire l'insight ou je sais pas, mais là à 10, euh, ouais. C'est correct. Et eh il n'y a pas les l'homme euh, horrible de la. de la dérive qui est là, quoi. T'as fait un à 10 euh, dans la foule, là, pour l'instant. Peut-être qu'il faut le chercher un peu plus. Tu peux refaire un G, on essayant si de focaliser sur lui, vas-y. Euh, non, si je ne l'ai pas vu la première fois, il n'y a aucune raison que j'insiste. Ok. Euh... okay. Plus pas... Mais tu vois, il, il était riche, il avait rien à faire au quartier de la soif. Euh... Ouais. Typiquement, il... je m'attends à ce qu'il soit dans la foule, même si je ne l'ai pas vu du premier regard, pourtant. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'il peut être là, quoi. Ouais. Ouais, mais euh, avec ce que t'as fait, c'est pas, pas suffisamment... Euh... J'ai le reflet. En fait, c'est le, le chapeau du signe prospère là. Comme il y a plein de gemmes oui. avec la lumière, ça fait reflet, ça fait boule à disco. J'en ai plein les yeux. Exactement. Ouais, c'est peut-être ça. En enfin, peu bouge. Donc en fait, les lumières, elles bougent en même ouais. temps. Ça fait psyché. Donc tu vois qu'il va. Il dit qu'on va commencer par le premier lot. Euh... On va commencer par le premier lot. Et euh, il, va ch... il repart donc derrière. Il revient avec, euh... avec quelque chose comme une sorte de, de coffre. Donc là, il prend une voix un peu mystérieuse et puis un peu avec sa voix. Euh... Un peu plus... Euh, ce ne serait pas craquante, mais un peu plus caverneuse, grave. Nous venons directement du Trakenbergen. Regardez-moi ces objets merveilleux qui vont faciliter votre vie. Nous avons ici... Donc là, il ouvre le, le coffre et il sort euh, une sorte d'anneau qui monte devant tout le monde. Un merveilleux anneau de feuilles. Avec celui-là, vous vous sentirez léger. Plus d'accident si vous tombez. Pouf Telle une plume, vous serez. Et donc, il commence à donner un prix. Ça commence à 50 euh, pièces d'or pour cet article. Euh, Est-ce que ça te tente ou pas? Euh... Donc, euh, oui, euh, j'ai oublié, tu m'as demandé pour le truc. Donc, en fait, euh, ce qu'il leur a dit au départ, euh, quand tu leur fais tout son blabla, c'est que c'est une vente, chacun lève la main pour surenchérir et donne la valeur de combien il surenchérit. Et puis, quand il n'y a plus de personne, il fait 1, 2, 3, et tout, c'est à toi. Okay. Et après, il faut aller surtout payer les comptes derrière, quoi. D'accord. Donc, euh, je n'enchéris pas tout de suite, je regarde qui c'est qui, euh, qui enchère. J'enchères, tu enchéris, putain, je sais pas comment ça se dit. Je regarde <laughs> qui mise, <laughs> euh, qui lève la main quoi. Donc euh, tu vois qu'il y a euh, quelques personnes qui lèvent la main, donc ça augmente un peu. Donc c'était à 50, passé à 60, puis d'un un il a mis 80, tac, ça monte. Est-ce que tu réagis quelque chose ou je fais passer la scène Par contre tu peux me faire aussi, fais-moi un jet de perception parce oui. que comme tu regardes un peu, avec avantage cette fois. Ouh, 19 plus 3, 22. Parmi les gens qui enchérissent, tu notes pas de particularité, sauf qu'effectivement, c'est pas des d habitants d'Assoif. Par contre, comme tu étais un peu concentré sur ces gens soeurs, et que tu regardais quand même la foule au final, tu es sûr que les deux, les, on va dire les trois personnes du bateau ne sont pas là. Par contre, tu as repéré le, le pasteur. Le pasteur est là. Ah, d'accord. Il, il, il est dans un coin aussi. Donc le pasteur Fabio est là. D'accord. Et est-ce que c'est lui Lui, il enchère sur non. Les... Et lui, il n'a pas du tout sur enchérie. J'enchéris à 99 pièces d'or. À un moment, tu sais, où, où les gens ils se okay. calment et tout machin, j'enchéris à 99 pièces d'or. Mais si, si quelqu'un me fait par-dessus, ben je, je continue. Oui, ça monte. Mmh. Okay. Et il se vend à combien, alors, en finale 200 pièces d'or. Ah oui, quand même. Est-ce que j'ai une idée de combien ça va se vendre euh, les pierres Ou la mise à prix, mmh. ou un truc comme ça. Est-ce que j'ai une... Un truc pour me dire j'ai pas assez d'argent, j'ai assez d'argent. Oui, oui. Vous aviez réfléchi avec ce que vous pouviez faire pour, pour ça, parce que quand, vous en a, quand il en a parlé tout ça, et euh, ça serait entre. Ce euh, serait plus de 1500 pièces d'or, et 2000 pièces d'or, c'est ça paraîtrait. Suivant les autres pierres qu'il y a avec. Parce que lui il est intéressé par le lot, le professeur euh, Snap, et donc il, il a estimé qu'en fonction de ce qu'on trouve sur les types de pierres, et ce qu'il y avait, il pense que 2000 pièces d'or c'est vraiment euh, la, valeur de, la valeur du lot. Sachant que les pierres d'agate, ça peut être 500 pièces d'or l'une quoi. Ok. Donc, euh, je sais pas, il m'a pas, bonné, il m'a pas donné une rallonge de contingence quoi. Il donné non. Juste... Bah, et, euh, non. parce que c'était déjà beaucoup pour lui. Et au de, euh, il au-dessus. de Il faudra réfléchir peut-être comment vous avez ça, mais 2000 pièces d'or, c'est énorme. Oui, oui non, je sais, c'est énorme. Mais <laughs> du coup, je peux pas même, je peux pas m'amuser à magasiner. Euh... <laughs> Et donc, euh, ok 200 pièces. L'eau suivant Donc l'eau suivante. Donc après il revient, il sort, pareil, de, la, de, la, de, ce, de ce coffret. Et en fait tu regardes, tu as regardé quand as fait un super show, si Tu vois que le coffret il a, il a été travaillé pour, 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 pour évoquer le Drakenbergen. En fait. il y a une sorte de montagne stylisée, des choses comme ça quoi. Et donc il a été un peu stylisé. Donc là il sort euh, une épée courte. Voyez cette épée courte fabriquée dans les les très fonds Drakenbergen. Combattu contre l'inframonde, la meilleure qualité, cette épée. Et donc là, c'est une épée courte, c'est pareil, ça commence, la mise à prix, elle est à 100 pièces d'or. Comment réagit Cave à côté de moi Ça l'intéresse pas du tout Non. Euh, elle regarde, mais elle ne fait absolument pas de. Ouais. Donc là, il y a, y a une. C'est pareil, donc si tu fais rien, ça finit à 200 pièces d'or. Non, je ne fais rien. Donc c'était une épée courte plus 1. Après, donc, et le dernier article qui nous vient de ces, de ces contrées, parfaitement adapté dans ces milieux si vous voulez visiter des hautes contreurs. Regardez cette magnifique corde. Regardez, elle répond aux mots. Donc, okay, en fait, il, il, utilise un mot, et vous voilà, tu vois, la corde qui se déplie, tout ça. Donc, une sorte de corde d'escalade qui, il redonne un nœud tu vois, la corde, il y a des sortes de, de nœuds qui se font dessus. Donc, voilà, l'outil indispensable, voilà, c'est merveilleux, c'est magnifique tout. Donc, là, euh, est-ce que tu t'en chéris? Tu t'en chéris ou pas? Non. Donc, euh, ça part. Et euh, donc, après, il fait le lot suivant qui nous vient. Là, il prend une autre voix un peu plus euh, gluturale, ça. Qui nous vient du Cannes. Où ces fabuleuses hordes et ces peuples euh, et ces tribus qui fatrouillent dans les grandes steppes ou ceux qui sont près des fjords vous amènent dans des grandes merveilles, là aussi. Donc, là, t'as pas besoin de, de faire. Tu te vois que là, de suite, Cave, elle est un peu plus intéressante. Elle se déjà, tu vois ça. Elle se redresse, ouais. elle c'est ça. Et j'ai fait je crois que c'est pour vous. <laughs> Alors. Donc là, il commence à sortir un, un objet. Ça ressemble à une sorte de. de corne. Euh, ah voilà ce qu'il dit. Donc avec cette avec cette corne, il fait que vous pensiez à votre à votre à votre chair étant par exemple, et de souffler les mots dedans. Et ce message par la légère brise de la cité franche lui sera porté sans déranger personne. Donc, euh, une corne d'appel des steppes. Intéressé ou pas intéressé oui, <laughs> Donc après, pareil, il sort de ce de ce, de, ce sorte de coffre euh, des bottes. Mais est-ce que est-ce que cave elle réagit ou c'est pas ça qu'elle voulait Tu vois qu'elle est intéressée, mais euh, elle réagit pas plus. Enfin. En tout cas, elle ne fait, fait aucune mise à prix. Ah, elle ne fait aucune dit. mise à prix. Donc l'objet l'objet est vendu. Si tu, si tu la regardes attentivement, tu vois qu'elle regarde précisément qui l'a acheté. Enfin, elle regarde bien la personne. Je me retourne, et je, je me retourne vers, vers elle. Et entre, juste avant qu'il... Tu sais quand il va rapporter l'autre et qu'il va chercher le, le nouveau ouais. Cave, vous savez bien vous battre Euh... Non. Ok. Enfin, je sais survivre pour me déplacer comme tout le monde, mais non, non, je, je ne suis pas un combattant, de tuer des gens. Ah non, 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 pourquoi ça donc, tu vois que là, elle prend un air un peu. Euh, non, non, je me bats que si euh, une vie est en jeu. Je cherche pas. D'accord. Non, non, mais... pas ça. Je voulais juste savoir, vous inquiétez pas. Et puis donc là, tu as une, donc tu des bottes. Qui vous dit disent... Donc pareil, il fait tout son petit speech. Euh... Sur des bottes qui te permettent de pouvoir aller bien plus vite que ce que tu penses pouvoir faire et sauter plus loin que tu pourrais le faire. C'est extrêmement pratique, surtout, vous voyez, ici, entre les quais, si on veut sauter, si on veut aller se déplacer avec les deux montagne, c'est pas utile. Donc là, c'est pareil, il y a une sorte de. Vendre la botte de cette lieu euh, Donc, tu vois qu'elle est intéressée, elle regarde, mais elle fera pas de mise. Donc, là, ça se passe aussi. Si tu fais rien de plus, tu passes. Ensuite, il y a un objet extrêmement rare très unique, on ne trouve ces objets que dans ce secteur du Cannes. Donc là, il sort une petite perle. Comme tout à l'heure, dans les monts je vous avez un anneau. Et ici, vous avez la même chose, mais dans une perle. Qu'est-ce que c'est pratique, qu'est-ce que c'est élégant Vous voyez bien offrir ça, tout. Hein. Euh, et donc c'est pareil, il y a cette vente euh, qui se une fait. Une perle donc, de feuilles, c'est ça C'est ça, ouais, exactement. Est-ce qu'il montre les faits ou il fait juste qu'en parler euh... En fait, laisse-moi refaire la question. La question, c'est comment on peut être sûr que c'est que ça fait vraiment ce que ce que ça, ce que ça vend. Est-ce qu'il nous fait une sorte de démonstration ou est-ce que on peut voir quelque chose de spécial Comment comment on fait que c'est juste pas un caillou, un joli caillou, mais ça reste un caillou. Oui, tout à fait. Euh, c'est une très bonne question. En fait, tu le sais parce que c'est un vendeur qui est réputé pour ses bonnes affaires et ça, et il a une réputation de haute. Autant il recèle de la marchandise, <laughs> autant la marchandise, la marchandise qu'il recèle, elle est de la qualité qu'il prétend. D'accord. Donc en fait, c'est juste sur sa réputation. Et... C'est que sur sa réputation, ouais, tout à fait. Ouais. Il ne de... voit pas, il n'y en a là, pas un gars qui, qui prend la perle et qui va tout en haut de, de l'estrade et qui saute et qui retombe tout doucement. Quoi. Mmh, Ce serait classe. Hein. Ouais, c'est clair. Ou qui saute avec non, les bottes euh, du haut de l'estrade ouais. vers le bas ou, et vice-versa. Euh, effectivement, ça aurait pu être sympa. J'ai pas pensé à ça. Il l'a fait pour la corde, mais il l'a pas fait pour le. La... Non, 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 c'était juste pour savoir s'il si y avait un risque que ce soit de l'arnaque. C'est surtout ça qu'il Donc, non, il n'y avait pas de risque que ce soit pour l'arnaque, mais effectivement, je trouve que ça serait sympa qu'il ait fait par exemple là, pour la corde d'appel, visuer un des personnages et puis envoyer des mots et puis la personne qui répète, tu vois, qui dit est-ce que vous avez bien entendu monsieur et puis qui répète les mots, ça peut être sympa. Je trouve que ton idée elle est bien, Soit ouais. ça, ça été Mais fais ça pour le prochain objet. Ouais. Euh, non, pas pour le prochain objet c'est pas pas le prochain objet le prochain objet tu as vu il suffit juste de prononcer le nom de la personne ah, c'est quoi votre nom non non pas mon nom pas mon nom euh... donc après donc euh... donc après, il sort le... un autre objet donc euh, qui vient de... plus précisément de la région de Cosroll donc là il sort une sorte d'amulette cela c'est un objet pour les avant notre coup du, du spectacle il me fallait quand même éveiller votre équité sur vous savez les raretés que vous pouvez trouver avec moi. Donc, je ne donnerai pas de détails sur cet objet parce que les initiés savent ce que c'est. Vous avez ici une amulette d'ayang. Je vous laisse en chérir, messieurs. Est-ce que je peux savoir ce que c'est une amulette d'ayang Oui, tu peux faire avec un petit G qui va bien. Arcane. Allez, arcane. Ou, ou religion. Mais arcane, ça, ça peut marcher aussi. Ouais. Je, si je peux choisir, je choisirai arcane Puisque je, je, suis plus, je suis plus compétent en arcane. Vas-y, Arcane. 17. Oh, ça passe. Euh, très bien. Ce que tu sais, c'est que souvent, c'est pas vendu seul, mais, <laughs> euh... mais ça peut l'être. Hein. Euh... Souvent, il y a un autre objet qui est vendu avec qui permet de, de protéger la... les personnes qui utilisent, euh... qui utilisent aussi cette amulette. Parce que la particularité de cette amulette, c'est qu'elle te rend invisible aux yeux des morts vivants. Oh, wow. Mais... Donc là, pareil, il y a une vente, donc euh, c'est pas les mêmes enchérisseurs. D'ailleurs, il y a des, des, des enchérisseurs qui sont partis. Est-ce que Fabio il, il mise sur ça Est-ce que c'est cette amulette Non. Que, euh, le Fabio, il il, il, tu, le vois, tu le regardes, il a, mis, il a fait aucune mise non plus. Donc en général, les personnes qui ont fait leurs achats, il a pas, il y en a, a quelques-unes qui restent, d'autres qui partent. Euh, donc tu, effectivement, tu as noté que. Que Cave a été très concentrée sur ces ventes-là et elle a bien regardé les personnes qui ont acheté, qui ont fini les ventes, mais elle a, elle a fait aucune, aucune, mise. Et puis donc l'abri. Et enfin donc là, il repart, il amène, un, a un joli coffre. Attends je peux. Non je pensais savoir si j'allais l'acheter là la, la mulette. Ah tu peux, vas-y vas-y. Tu ferais ah. une enchère à combien euh, bah, c'est quoi la mise à prix Ça commence à 200 pièces d'or. Euh, je fais une enchère. Euh... Ouais, je 200 pièces d'or, je dis oui. Je fais 200 pièces d'or. Je suis premier à répondre, par exemple. OK. 200 pièces d'or, donc ça monte. Ça monte à 300. 300 oui. OK. Tu suis, ça monte à 400 Non, Pour 400, je vais pas, je fais pas. Okay. ça finit à 500. En fait, si j'avais été plus intelligent, j'aurais acheté tous les orbes magiques de bas niveau et j'aurais dit à mon maître que je me suis fait voler l'argent et puis voilà. <laughs> Tu fais ce que tu veux. La vente aux enchères s'annonce prometteuse et donne des idées aux fossoyeurs. Pour la suite de l'aventure, retrouvez-nous très prochainement. Abonnez-vous pour être notifié, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site web un -tout -attaché Net. N'hésitez pas à partager vos commentaires et encore merci. Bon jeu.